Ok, salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's... Ah bah j'ai plus le droit d'afficher le titre maintenant, c'est... C'est apec. Bon. Ok. Bah de No Man's Skies alors, hein, bah je vais le dire, vu que... Hein. Bon, il y avait une porte là, j'ai pas verrouillé... J'ai pas testé cette porte, mais on m'a dit que ça allait être verrouillé, du coup bon... Mon personnage d'une lenteur absolue. Quoi qu'il en soit. Ah si, mais attendez, j'avais pas un truc justement pour exo-combinaison. Voilà, installer un module. C'est-à-dire peut courir pendant une durée prolongée. Le système repose sur une ponction indolore au niveau de la colonne vertébrale permettant l'injection de votre paroi épidurale et la diffusion d'un produit chimique dans l'ensemble du corps des accumulations d'acide lactique dans le corps de l'utilisateur en cas d'extrême. En cas d'activité extrême. Ça peut être intéressant, hein, mais ça fait mal, quoi, normalement, bref. Hein. Une épidurale, autant vous le dire, ça fait mal. Et voilà, il faut le passe-atlas que je n'ai pas. Hop. En douceur, voilà, c'est bon. Donc, on va refaire un petit saut, je pense, hein, après tout, pourquoi pas. Je pense qu'une fois qu'on aura trouvé ces fameux trous du cul, donc Polo et machin, là, je sais plus comment ils s'appellent, on devrait pouvoir être en mesure d'y arriver assez bien. Est-ce qu'on a encore un saut? Je me rappelle plus. Oui, on a encore un saut. Bah écoute. Ah bah attends. Scan. Je peux scanner peut-être l'endroit? Bâtiment abandonné détecté. On se calme les mecs. Bâtiment abandonné. Technologie rare disponible. Ah, attendez. Moi, ça m'intéresse. Ça, je suis désolé, ça m'intéresse. Technologie rare disponible, je l'ai vu. On y va. Oh ! J'ai l'impression qu'on arrive très très haut. On est arrivé aussi très très loin au passage. C'est bizarre. Votre destinée est liée à l'infini. La vache, par contre, on va avoir des kilomètres et des kilomètres à faire. Hein. C'est débile. Bah, j'imagine que de toute façon, 155 unités de vitesse. 160. Attendez, j'accélère encore. Non, je peux pas. Ok. Bon, pourquoi pas. Étrange, étrange. Étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Bref. C'est un problème tout ça, on est à chaille quand même. Je sais pas s'ils se rendent compte dans le jeu. Par contre, c'est joli, hein. Je peux pas dire le contraire. Scan! Ah, ah. Et sinon, à part ça, ça va vous? Vous avez la pêche? Le Rasamama S36, hein, qui est notre vaisseau, je crois. Hein. Hop, on remonte légèrement. Ce qui fait qu'on a perdu en vitesse, qui est encore une fois dommage. Ah, ah puis là je perds encore plus en vitesse. Hein. Apparemment. Non mais c'est pas pour... C'est pour... Ah, voilà. Là j'ai eu le droit au boost. Est-ce qu'il y a une consommation ou un truc dans le genre? J'imagine que oui. Ok, on y est presque. Hop, on va voir ce gars-là. Eh ben, je crois que je pouvais pas être plus près. Bâtiment. Bonjour. Qu'est-ce que tu es? Planète Uppenborkumeg. D'accord. Il y a un cristal vert. Émeril, d'accord. Hello. 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 Par contre, j'ai plus de son dans mon casque. C'est mieux comme ça. Plutonium. 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 Ok, on est donc sur une planète toxique, pardon. Qu'est-ce que... Protection, toxicité, stabilisation. Hop.
J'ai été frappé par ça. Que je ne peux pas frapper de là. Je peux frapper d'ici. Et je m'en fous. C'était juste pour virer le truc en fait. Oh. Mais tu vas te calmer, oui. Voilà, on va ouvrir ça. Porte-bonheur geek, ok. Oxyde. Rien n'a été trouvé, génial. Merci le jeu. Bon, à l'abandon, interagir avec bâtiment abandonné. Bâtiment abandonné, on aurait dit une blessure sur le monde rouge et déchiré, comme donc là, c'est ce qu'on a déjà dit. Donc, on va analyser le journal de bord. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage, peut-être. Nouvelle technologie découverte. Module de survie de taux. Oh, intéressant. Donc c'est pour tout ce qui est sur ces planètes-là, en fait, qui est potentiellement problématique à de rester sur la... Oh, jet à impulsion. Oh, améliore la consommation, en plus. Génial. Module de neutrino. Par contre, il va falloir que je pète des bestioles. Apparemment, c'est tout ce qu'il y avait, hein. Ok, tout ça pour ça. Bon, bah, écoute. Pourquoi pas? Tiens donc. Ah, la fameuse tempête, je présume. Oh la vache, oui, ça descend vite. On se casse. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Oh, c'est un caillou. D'accord. Ok, bref. On y va. Cassos, cassos. Hop. 4, 3, 2, 1. Boum. Bon, maintenant qu'on est là, hop, j'aimerais qu'on regarde la carte. Et apparemment, on n'a pas 36. Oh, anomalie détectée. Qu'est-ce... Interface Atlas, d'accord. Itinéraire vers le point de passage. What the fuck? Apparemment, on a un point de passage. Améliorer les propulseurs pour sauter. D'accord, trop éloigné. Bah écoute, on va aller là déjà pour commencer. C'est très bizarre tout ça. Bon, c'est encore la lumière au bout du tunnel. Hein. Ne regardez pas la lumière. Fermez les yeux comme moi. Dites-moi quand je peux rouvrir. Je peux rouvrir? J'ai pas, j'ai les yeux fermés. Je crois que c'est bon. C'est bon, effectivement. Ok. Tyran. Apparemment, je suis un tyran. Allez comprendre. Attendez, les vaisseaux sont gros ici. Est-ce que je peux genre aller dedans? Alors. Attendez. Est-ce que je peux genre rentrer dedans? Ça ressemble à une porte, ça, non? J'ai peur de... Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Hop. Tour de transmission détecté. D'accord. Hop. Ok. Trop loin, je pense. Trop loin, effectivement. Bon. Ok. Ça, je sais pas, ça va être du cuivre encore, ça, je présume. Ok. Du cuivre. Elle est pas... J'ai pas l'impression que ce soit du cuivre. Aucun emplacement libre. C'est quoi? Du fer, d'accord. Je prends. Hop.
On récupère aussi un petit peu de tamium. Hein. Ah non, ça c'est pas du tamium. C'est encore du fer, d'accord. Oh là là, mais je suis entouré de fer maintenant. Ah non, c'est pas du fer ça. Ok. Ok. Ah, c'est quoi? Du nickel! Oui, j'en ai besoin de nickel! C'est nickel d'en trouver. Moi, je la referai plus! Je la referai plus! Je la referai plus! C'est quoi? Du fer. Non, c'est pas ça que je cherche. Du nickel! Donne-moi du nickel! Du tanya. Ah bah non, ça c'est pas bon. C'est du fer. Ok. Ça c'est quoi? Tamium? Ça c'est quoi? Il est où le nickel? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Faites ça le nickel. Faites ça le nickel. Oui c'est ça le nickel. Le voilà. Parfait. Surchauffe. Là c'est rare le nickel apparemment. Hein. Oh nom de Dieu. Difficile à choper. Hein. Bon, ça c'est fait. Alors pourquoi je fallait, pourquoi il me fallait du nickel déjà de base? Alors oui, j'ai encore une cellule de distorsion apparemment. Ce qui est assez cool en soi. Hein. Parce que ça veut dire que je peux recharger d'une fois ceci. Et donc je peux refaire potentiellement un saut. Ce qui peut être pratique. Hop. Ok. Analysez et envoyez vos découvertes. P sur P. Oh. Mais genre d'accord. Envoyer. Envoyer et renommer. Système My Shuan. D'accord, ok. Bah épisode 4. Mais je peux toucher le reste ou pas? Ok! Ah, y'a les bestioles! Ah oui! Le Marcus Grossmouchus. Le Marcus Grossus Mouchus. Voilà. Hop, envoyé. Terminé pour recevoir 275 000 unités! What the? Mais en fait, ça vaut carrément le coup d'être sur une planète! De focus sur une planète! Mais qu'est-ce qu'on est con? On devrait rester dessus! On va garder les noms de base. Mais je gagne de l'argent, vous voyez, en plus! Une vache! C'était les vaches! C'est la même en fait, sauf qu'il y a une ligne exotique. Marcus Vachus Normalus. Voilà. Marcus Vachus. Oui, je sais que c'est pas vache, hein. Le mot en truc, mais bon, je m'en fous. Exoticus. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça, je vais l'envoyer parce que j'arrive pas à trouver de qualificatif. Bref. Ah, c'est rigolo ça. 12 500 unités. Oh, bravo, Marcus. T'es trop fort en fait. Bref, du coup, il nous reste un saut à faire. Je crois qu'on avait dit qu'on allait dans le système où justement il y avait l'espèce d'anomalie là. Est-ce que je peux y aller? Oui, je peux y aller. Il me disait que c'est trop gros tout à l'heure, mais là, ça devrait être bon. Je saute. Ne regardez pas la lumière. J'espère que vous ne regardez pas la lumière. Vous avez fermé les yeux. J'espère que vous avez fermé les yeux.
Oula, il y a un truc rouge. Qu'est-ce que c'est? Interface Atlas? Est-ce qu'on peut... On peut aller voir ailleurs. J'aime pas. Non? Scanner? Dépôt de... Oh, dépôt de ressources. Bon bah écoutez, on va essayer de rentrer. Ah mais attends, interface Atlas, passe Atlas, tout ça, non? Oh, ça s'ouvre. Et ça s'ouvre, comme dirait Claptrap. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La bouboule! Voilà la grosse bouboule! Par contre, ne me trouve-moi une place de parc. Il n'y a qu'une place. D'accord. Je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Remplacer en viking, d'accord. Voix en viking, d'accord. J'aime pas ça. Oh putain. Cellule de distorsion 1. Oh, merde. Oui, non, mais c'est l'inverse que je veux faire, moi, c'est... D'accord. D'accord. Convergence. Oh, putain. Je peux pas le scanner, le gros truc. Ah. Ok. Bah, écoute, on va les utiliser. On va les utiliser tout de suite, on va les charger. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Convergence Imirdli. Takizirak Moheder Nexexun Japed Co. Me Pumelina Maps Mekol Nepeyo Jolem. Abrut. Abtrokavasup maz epkanzo sipti pesim sifilmu no knipitesh skri yad derkle kufo skri ade vich yeched dek ched. C'est chaud à dire, hein. Étape Pathfinder, what the fuck. C'est un extraterrestre qui ne ressemble à rien à ce que j'ai déjà vu. Je devrais pas avoir peur, mais une force irrésistible m'attire vers le cœur de la construction. Un besoin de savoir, c'est un vestige de l'Atlas, il m'accueille, il sait qui je suis, il me propose de comprendre la vérité, j'en brûle l'envie. Demandez de savoir si elle est réelle ou pas. Accepter, étape Pathfinder. D'accord. Le ciel insondable regorge mais oh putain, pire Atlas. What the... Moi c'est le Pass Atlas qui m'intéressait. Qu'est-ce que... J'ai peur! J'ai peur! Mais je vais pas. Je veux m'en aller! Je veux m'en aller, s'il vous plaît! Ouvre la porte! Merci! J'espère que je me suis pas planté. Coordonnées de station orbitale reçues. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille interface Atlas en interface Atlas? J'aime pas. Bon. What the... D'accord, il y en a une là, ok. Bon, on va aller voir le dépôt de... le dépôt d'Iridium. Est-ce que l'Iridium c'est utile pour nous? Je sais plus. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que la scanographie? Qu'est-ce que c'était que la scanographie? C'est très bizarre cet endroit, j'aime pas. Ça fait peur. Boum, j'atterris. D'accord, d'accord, c'est de l'iridium. C'est sympa l'endroit. C'est quoi ça comme caillou? C'est du caillou. Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Je vous le demande. Qu'est-ce que c'est? Hop! Est-ce que c'est violent ou... Oui, c'est violent. Touché. Ça c'est quoi? D'accord. C'est de l'aluminium, ça m'intéresse. Vaisseau hors de... Ben, what? Ah! Bon, retourne au vaisseau. On va aller sur une station. On va aller vendre des choses. Y'a du verre dans le coin, qu'on en finisse? Non? Non. Bon. Hop, mon vaisseau. On va aller sur la grosse station. Grosse station! Arkia! Allez, pulse au réacteur, s'il vous plaît, merci. Marchandises. What the... Ok. Je me fais agresser. Ok. What the... Dis-moi que ça correspond à mon nombre de charges. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien n'a été trouvé, ok. Ah d'accord. Ok. Ok, on a rechargé notre bouclier, ok, j'ai compris. Hop. Vache, ils mettent tellement cher. Hop, donc. Hop. Putain, le titane, c'est vital en fait. Hop, et bien de plus. Pourquoi lui il est en... Putain, c'est chaud à la souris. J'avais pas idée, chers amis. Ah! C'est une horreur. Hop. Le fer aussi, c'est vital. D'accord, ok. Bon, bon à savoir. Hop. C'est moi qui l'ai eu en premier. Ok. Verdict. Ah. De l'estime. Génial. Manquait plus que ça. Bref.
Ah d'accord, oui d'accord. Vaut mieux du titane au... Comment au fer classique. Oui, tu m'étonnes. Comme ça peut paraître stupide, mais sinon... Pourquoi elle est verte? Ok, on y est. Tombe bien. Exactement là que je veux aller. Étape de voyage atteinte, si tu le dis. Hein. De toute façon, je me trouve une étape de voyage pour n'importe quoi. J'en ai détruit 3, mou du gland. Bon. Tout au long de la journée, moi je fais que voyager. Moi qui rêve de liberté. Ok, point de restauration enregistré. Oh, bonjour. Bonjour. Porte-drapeau. Bonjour. Au côté moche. Relation particulière. Important. Pour son vaisseau. Par contre, je vais bien te vendre des choses. Plus 5-2, plus 0-1, d'accord. Fluide de suspension, je vais le garder. Porte-bonheur gay qui le vend. Il l'achète pas bien. Hein. D'accord. Bah écoute, va te faire voir alors. Il y en a un autre copain qui arrive? Ah, attendez, il y a peut-être un autre copain qui arrive. Voire deux. Il a un vaisseau rose. Tiens, mignon! Oh, il est stylé son vaisseau. Oh la vache! On dirait une frégate corélienne, mais un peu plus petite en fait, c'est rigolo. Porte-bannière. Bonjour. Oh, il est sur son siège. Guerrier. D'accord. Ok. Oh, il est pas intéressé par mon effigie viking à 24 000. C'est dommage. Attends, il y en a un autre qui s'est garé à côté. Ouais, salut. T'as un gros pénis en guise de vaisseau. C'est pas grave. Bonjour. Poids important. D'accord, apparemment je l'embête. Apparemment je l'embête, le pauvre petit père. Pire Atlas. Non, je vais pas la vendre, non. Non, je préfère pas tenter en fait. Et porte-bonheur gay qui l'achète pas cher. Hein. Ah, attendez, il y en a un dernier. On fait le dernier, on fait celui-là en dernier. Hop, bonjour. Ok, chasseur de sentinelle, d'accord. Important, d'accord. Apparemment, je suis encore un important. Porte-bonheur gay, moins 0,6. Emeril, moins 2,9. D'accord. Ah, ils sont pas intéressés par ce que j'ai à vendre, hein. De sac. Bon, c'est beau, j'en ai vu assez des mecs. Hein. Oula, il démarrait pas alors que je suis juste devant. J'ai dit, j'en ai vu assez. Par contre, ouais, apparemment, j'ai des trucs à recharger. Ok, c'est fait. Celle de survie. Carbone. Parfait. Ok, ah oui, faut que j'envoie les données aussi, effectivement. Des plantes, tu parles. Hop. Ok. Ah oui. Hop, voilà. Plante. Bestiole, bestiole, bestiole. Bestiole. Hop. Hop, hop, hop. Peut-être que je le ferai plutôt en offline, chers amis. Ah, y'a de la musique. Bon, si tu le dis, y'a de la musique, hein. Là, j'ai tout envoyé, d'accord, ok, c'est bon. 23 000 unités supplémentaires, bah c'est cool, ça. Yo. Bonjour. Ah, il voulait me faire un brofist, sympa. Ah, oh, inventaire plein. Où elle est ta matrice de... Voilà, de marché. Étape de voyage atteinte, wouhou. Parvenu, je suis un parvenu, génial. Alors, est-ce que tu acceptes de... Voilà, merci. Ok. Ça se vend pas bien. Hein. Ça doit être là, je pense que ça va être important, donc je vais pas la vendre. Le nickel, je le garde.
que le nickel, c'est nickel. Je la referai plus jamais, je suis désolé, chers amis. Hein. Ok. J'ai le droit d'aller par là? Non. Cool. Bonjour. Yunak important, est anglais, umseo sunkian, agbashaur maneyum, rudaziksin, xoisa. Fanka gelantum beint. Le reste, le gars il reste silencieux un instant, puis il me lance un regard conspirateur. Il jette un coup d'œil à ses collègues derrière lui. Avant d'éteindre les systèmes de sécurité, le gardien ouvre la cellule des champs située à ses pieds, qui révèle une multitude d'améliorations pour multi-outils. Proposer des unités. J'ai pas suffisamment de carbone. Ah moi il veut pas. D'accord, c'est très bizarre. C'est très bizarre tout ça. Impasse V3 aussi là ici de ce côté. Ok, bon bah écoute. J'ai des pixels, enfin j'ai des crédits mais c'est bizarre. Multi-outils, est-ce qu'on doit le recharger ou pas? Hop. Oula, oui. Voilà. Ok, on a rechargé à peu près tous nos équipements, ce qui est parfait. On bouge. Hello there. Par contre, on a toujours le même vaisseau, c'est un peu chiant ça. Et... ah si, il y a lui qui coule. Mais je sais pas trop vraiment quel vaisseau est intéressant, quel vaisseau ne l'est pas. Ce qui me pose quelques problèmes. KD, bonjour. Relation particulière. On m'avait dit que je pouvais trouver des... que je pouvais trouver des vaisseaux sur les planètes et j'en vois pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. On y va, on décolle. Alors, nous... nous avons encore quelques sauts disponibles. Hop. Hop. Il me faudrait plus de zinc apparemment. Bon bah écoute. On ira chercher du zinc sur une planète. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bâtiment abandonné détecté. Ça m'intéresse pas les bâtiments abandonnés, ça le truc. Recharge du scanner. Technologie rare disponible. Ouais, mais enfin bon, j'ai. Y'a pas d'autres planètes dans le coin? C'est pas que celle-ci est un peu chiante, mais. Bon, écoutez, on y va alors. Hein. Hop, on y va. On y va, on y va. Hop, on reste en vol suborbital. On peut redescendre, s'il te plaît, merci. Enfin, suborbital. J'essaye, mais bon, vu le système de contrôle de ce jeu. 5 minutes avant d'arriver, bah écoute, on n'est pas rendu. Ah là, je vois quelque chose. Non, redresse, s'il te plaît, merci. Ok, ici ça va être. Oh, ça va être mince, je sais plus comment ça s'appelle. De stockage là, vous savez. Ok. Qu'est-ce que c'est? Chrysonite. D'accord. M'agresse pas hein. Ici alors combien il va me coûter celui-là? 30 000 unités, j'en ai 125 000. Vendu.
Mais je veux bien que tu me scannes, excuse-moi. Ne m'agresse pas, s'il te plaît. Ok, ah, on a un truc à scanner. Analyse. Ok, un arbre. Ok. On va aller prendre le point de sauvegarde. Hop. Coupe la lumière. La lumière, ça coûte cher. Voilà. Point de sauvegarde. Ok. Ça, c'est cassé. Ça, c'est un ouvrable. Bon. J'ai déjà découvert ceci. Ok. Un point là-bas. J'irai bien. Honnêtement, j'irai bien. Hop, on y va. Oula. J'ai perdu le point en question. C'est génial. C'est absolument génial. Merci le jeu. Recharge du scanner. Ah bah écoute, recharge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces deux endroits? Je peux aller dedans sans que ça pose problème apparemment. Krogek, d'accord. Krogek. Ok, santé maximum. Éclat de blindage, titanium. Et c'est pas protégé ou quelque chose comme ça? Pas cette classe, je l'ai pas. Porte-bonheur geek, ok. Pas cette classe, je l'ai pas. Titanium, ok, bon bah écoute. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop. Ok, tu es mort. Ok, apparemment je les ai tous eus, hein. Résume. Ok, on recharge. Pas d'autres drones. Parfait. Force sentinelle désactivée, bah écoute, tant mieux. Hop, je remonte dans le vaisseau, j'en ai vu un juste à côté. Donc. Non? Non? Ok, c'est des plantes. Ok, c'est des plantes. Qu'est-ce que c'est? Ce serait bien de l'aluminium, ça. L'aluminium, ouais, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Bonjour. Bonjour. Hop. Crac. Alors que je recharge ces propulseurs de décollage. Qu'est-ce que... Non. Pouvoir de crédit, ça... Pouvoir de crédit, ça continue. Je ne vais plus avoir de crédit, ça continue. Ok. Hop. Oh, il y a un cube bizarre, regardez devant. Regardez ça. Dedans il y avait. Oui, on a compris que le point de restauration. Oh là 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 là. L'interface. Oh, c'est lent. C'est lent, c'est lent. Oui, bah écoute, je me déplace effectivement. Hein. Merci de le souligner. Capsule de largage. Ah bah, forcément. Hop. Aucun emplacement libre n'est
Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Cube de vortex. D'accord, on sait pas ce que c'est. C'est cool, merci le jeu. Combien tu me la proposes celle-là? J'imagine que c'est 40 000. C'est ça. Écoute, on va le prendre. Hein. Moi, je suis toujours partant pour un sac à dos plus grand, quoi. Ok, hop. J'avais déjà découvert ceci. Qu'est-ce que c'est? Bouclier, d'accord. Ok, apparemment j'ai déjà découvert. Là, vous voyez, là, le jeu est pas trop moche. Là, franchement, le jeu est loin d'être moche, même, je dirais. J'ai cru voir des cailloux bleus. Et cesse de m'agresser! Hein? Merde, à la fin. Ah, un cube de vortex encore. Je sais pas ce que c'est. Cube de vortex. Extrêmement rare et de grande valeur. Effectivement, 24 000 crédits. C'est pas rien. Ok. Bon bah écoute. Hop. Donc il me semblait qu'il y avait une... voilà, un truc qui... Bah, écoute, on va y aller. Arriver dans 2 heures. Vas-y, on va en aller. Ok, 2 heures, carrément. Hop, et si je booste un gros coup? 10 minutes! Comment c'est possible que quand j'accélère, en fait, il... Ah bah dis donc! Est-ce qu'il y a des choses intéressantes autour ou pas? Le problème c'est que j'ai pas d'activer le plus au réacteur parce que sinon je pense qu'on va sortir de la planète en fait, c'est ça qui est débile. Ah, le saut assisté. What the... C'est quoi le saut assisté? Le saut assisté, allez comprendre. J'ai vu une astuce qui est apparue, mais... On l'appelle l'astuce. Si encore il y avait des choses intéressantes sur cette planète, je dirais oui, je veux bien. Mais... Apparemment, il n'y a rien. Quoi. C'est vide. Mais non. Qu'est-ce que tu me chies? Mais qu'est-ce que tu me chies? Les contrôles, chers amis. Oh mon dieu. Oh là là. C'est approximatif. Il y a une espèce de lag en fait entre le déplacement et le. Il faut que je reste appuyé en plus. Bon, est-ce que vous me pondez un bâtiment intéressant ou pas là? Ah, attendez. Penses-tu qu'il va franchement? J'arrive à me poser, j'arrive à me poser dessus. Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je... Oh putain oui. Eh hey, c'est du talent ou c'est pas du talent? Honnêtement. Ah ouais non mais je crois que j'étais autoguidé là, c'est pas possible autrement. Je ne pouvais être qu'autoguidé là. Appeler le vaisseau. D'accord, je peux l'appeler de n'importe quelle station de ce type. D'accord. Excellent. Excellent. Bonjour. Oh, tu es... Ouh. Tu le vends 51 000? De combat. Ah, il n'y a pas d'amplification de rayon d'extraction. Ah là là, 51 000. Il me plaît ce machin. Bon. Yo l'ami.
T'as une drôle de tête, hein, je vais pas te mentir. Important. Mais pourquoi ils me traitent tous d'important? Une marque de morsure rouge est récente. Fait le tour du cou du gars et des marques de griffes zèbres à sa poitrine et les systèmes de restauration et de soins de sa combinaison clignotent hors d'usage. La forme de vie aboie avec dédain, satisfaire. Sans carbone, je les ai pas. Partager l'oxygène et tout, c'est tout ce que je peux faire. Je suis désolé, l'ami, je peux pas faire plus, j'ai pas de carbone sur moi. Ah, c'est gentil. Tu es bien aimable, mais j'aurais pas pris ton argent en vrai. Non, j'aurais pas pris son fric. D'accord, intéressant. Non, honnêtement, je l'aurais pas pris son fric, en vrai. Bon, pauvre bonhomme. Je vais te prendre ton arme, désolé. Il a l'air vachement bien. Ah oui, il a l'air quand même bien, bien mieux. Est-ce que je peux, par exemple, récupérer ce que j'ai mis là? Non? Tempête en approche. Cool. Ça met dans l'ambiance. Ou c'est ce que je vais récupérer peut-être. À mon avis, c'est ce que je vais récupérer. On verra bien, mais... Hop. Je suis prêt à te l'acheter, moi, bonhomme. C'est parti. Voilà. Oh, il est joli. Il est joli. Honnêtement. Portée du scanner améliorée, d'accord. Installer technologie. Visière d'analyse. Bah ça va être une nécessité. Hein. Ok. Concentrateur de rayon sigma. Très rapide. Performant, d'accord. Automatiquement activé, d'accord. Ok, bon bah écoute. Vendu. Destruction du terrain améliorée, d'accord. Lance-foudre. De toute façon, il a déjà un truc de combat, non? Allez, d'accord, non, il a deux modes. D'accord, donc là, c'est les trucs de combat. Donc celui-là, en fait, il m'intéresse pas. Clairement, il m'intéresse pas. Tir rapide. Adaptateur, large amplitude. Chargeur, lance-foudre, sigma. Accélérateur, impact. Ça, j'aimerais bien l'avoir, l'impact. Il me faudrait de l'iridium. Ou du zinc pour faire ça. Ok, cool. Bah j'ai un nouvel appareil, le problème c'est que, ouais... Il fait un temps de chiottes dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que j'ai changé de... Ou j'ai dépensé du fric, vous allez voir. Ah non, c'est les extraterrestres que j'ai rencontré. Est-ce que je peux rentrer dans mon vaisseau? Parce que là c'est un peu la tornade dehors et... j'ai pas chaud, si tu vois ce que je veux dire. Non? Ok, je me fais enculer. Bon. Bon. Là, on est bon. Crac. On a un nouvel appareil. Hop, c'est cool. Qu'est-ce que t'avais là-dedans? Un croc-geck. D'ailleurs, ce qui me fait penser que j'ai plein de choses à vendre. Attends, je vais re-rentrer. Il fait moins 22 degrés. Ah oui, il pèle. 20 carbone. Je vais aller lui chercher 20 carbone. Pauvre mec. En train de crever de froid. Hop. Merde. Merde. Voilà. Donne-moi ton carbone. Hop. Ok, on voit la température remonter en bas à gauche. Parfait. Mec! Tiens! Mais non, je veux juste lui... Mais merde. Je vais pas dire qu'il m'énerve, hein, mais... Je vais juste pas le dire. Ok, on va aller voir là-dedans. Vendre des articles. Tiens, bouffe-moi ceci. Oh la vache! Ça fait du bien par où ça passe, ça, dis donc. Tiens, bonhomme. J'espère que ça va mieux. Udi Yogzeilo,
Irne iwef wama buerif. Important. Iwef. Ralian gren waxues daimo. D'accord, demander des soins. Complice. Co-conspirateur. What the fuck. Demander un nouveau mot. Le guerrier accepte de m'aider. J'ai appris le mot bobine. D'accord, ok, cool. Tiens, bah regarde. Faut que je donne du carbone pour qu'il accepte de me parler. Hein. C'est chaud. Vikin, Arnan, Kwambar, Tassaya, guerrier. Xangb, Ezejiuan, Important, Eyanouk. Il est proche. D'accord, ça va être le niveau, à mon avis. D'accord, oui, donc j'ai pas le niveau. En fait, c'est juste un coup de bol tout à l'heure. Ok. Je commence à comprendre comment ça se passe. Bon. Du coup, on a plein de trucs. Moi, je comptais lui vendre. Eh bien, écoutez, je vais les vendre directement à la station. Hein. Hop. Je vais vendre ça directement à la station. Yo. Enfin, s'il accepte de les prendre. Ce qui apparemment n'est pas trop le cas. Ok. J'aimerais bien réussir à vendre ça quelque part. Bon, c'est déjà ça, vous me direz. Ok, ok, ok. Combien de sauts je peux faire actuellement là? 2. 2, 2, 2. Il me faudrait un peu plus de zinc. J'ai pas de zinc. Du zinc, j'en rappelle plus. C'est du bleu normalement, couleur bleue. Hein. Est-ce que j'ai du bleu autour? Oui, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. J'ai le scanner, j'ai tout. Bah, ça passe bien ça. Débris, passe atlas. Donc je peux me faire entuber. Ok, plutonium, plutonium, pourquoi pas. Et ici sont donc du platine, dommage. Ah putain, il n'y a que des plantes à platine, c'est ça que tu es en train de me dire. Tiens, analyse ça. Déjà découvert faire tout ça, d'accord. Iridium, il me faudrait du zinc. Et je crois que le zinc, c'est pas le bleu, c'est le jaune. Je crois que le zinc c'est le jaune. Ok, c'est par là. Zinc. Combien? 24, je crois que c'est bon. Je crois que c'est suffisant. Oui. Hop, et on a ce qu'il faut ici. Ok, parfait. Et donc on peut recharger notre vaisseau un peu plus. Boum. Voilà. Bon. Alors, se trouve, le premier vaisseau est complètement moisi, etc., etc., etc. C'est possible. Tout est possible, tout est réalisable. D'ailleurs, est-ce que le vaisseau, on peut l'améliorer? Est-ce que c'est visible quand on l'améliore? Canon à photon est sensiblement réduit. D'accord. Jet à impulsion, il me faudrait du nickel. Des modules neutrino. Ouais. Allez, on va mettre ça. Est-ce que visuellement il s'est passé un truc ou pas? Apparemment non, hein. Apparemment non, bon bref. Énergie, système, apparemment on a des problèmes d'énergie au niveau du système. Ok, de ce côté-là c'est bon. Là aussi. Et là normalement, est-ce qu'il est chargé à bloc? Oui, il est chargé à bloc. Ah tiens, j'ai des grenades, lanceur de plasma. Appuyez sur ça, d'accord. J'ai pas fait gaffe que j'avais des grenades. Cool. Donc du coup, je peux censé être en mesure d'améliorer quelque chose. Combat. Ouais, moi c'est ça que je voulais, c'est ça. Hein. Ouais. De l'iridium. Ouais, bah du coup, je suis pas prêt d'en avoir. Ok. Bah écoute, on va sauvegarder un petit coup. Hop. Et nous allons nous laisser là, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures en espérant que le jeu soit patché pour qu'on puisse le rendre plus beau à vos yeux, chers amis. Voilà. Salut les gens! Et n'hésitez pas à me donner vos conseils et vos astuces dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir votre soutien comme ça. C'est toujours très très cool. Merci à vous. Plus, bisous, tout ça. Hein. Bon, ça en fait 3. Ça fait mal.